Chers amis, merci au Seigneur de manifester autant d'amour envers nous en nous permettant d'être là en ce moment béni pour partager ensemble sa parole alors que son esprit nous accompagne et que son nom soit béni. Notre sujet du jour, déclaration contradictoire. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, béni sois-tu pour ton amour, ta paix, ta grâce et ta miséricorde. Béni sois-tu pour ta parole que nous avons entre nos mains. Que ton esprit soit présent pour nous éclairer afin que nous ayons une bonne compréhension de ta parole, et que surtout le message que tu as pour nous, nous puissions donc le recevoir, et que ce message transforme notre vie. Nous te prions Jésus pour ta gloire. Amen. Chers amis, la Bible enseigne que le monde tel qu'il venait du Seigneur était parfait. Lisons Genèse 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Quand le texte dit que tout était très bon, cela signifie agréable, plaisant, agréable au sens agréable à une autre nature, excellent dans sa qualité, bon, riche de grande valeur. Très bon, c'est-à-dire pur, bien, belle, tout pour plaire, un milieu favorable, agréable, cela apportait le bien-être, le bonheur, la joie, la tranquillité. C'était donc une grâce. Et le mot bon s'applique à chaque être selon son espèce. C'était tout simplement un lieu paradisiaque. La mort était une expérience inconnue pour Adam et Ève. Dans ce contexte, Dieu alla dans le Jardin d'Éden et avertit. Genèse 2, 16 et 17. Tu pourras manger de tous les arbres du Jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, deux questions nous est posées. Comment Genèse 2, 16, 17 montre-t-il la réalité du libre arbitre dans la perfection de l'Éden? Autrement dit, pourquoi Dieu aurait-il eu besoin de les avertir s'ils n'avaient pas la capacité de choisir librement? Alors que vous réfléchissez à ces deux questions, je demande à Dieu de vous assister par son Esprit Saint. Chers amis, quelque temps après cet avertissement de Dieu, Satan prit la forme d'un serpent et entra également dans l'Éden. Ève vit le serpent manger joyeusement le fruit défendu sans mourir. Lucifer avait lui-même mangé du fruit défendu. patriarche et prophète, page 30, nous donne plus de précision. Et rien ne lui était arrivé. Lisons donc ce qui s'est passé dans Genèse 3, verset 1 à 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu avait-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent, Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, Vous ne mourrez point. Une question. En vous mettant dans la position d'Ève, pourquoi ces paroles auraient-elles pu sembler convaincantes Tandis que vous analysez cette question, que l'Esprit du Seigneur vous convainc de la bonne réponse à y apporter. Mes amis, du point de vue de la logique humaine, l'argument du serpent semblait beaucoup plus convaincant que la parole de Dieu. Tout d'abord, il n'y avait aucune preuve dans le monde naturel, jusqu'alors, de l'existence du péché et de la mort. Deuxièmement, le serpent mangeait le fruit défendu et l'appréciait beaucoup. Alors pourquoi Ève? devrait-elle se retenir de faire autant? Le commandement de Dieu semblait être trop restrictif et insensé à leurs yeux. Malheureusement, en faisant le choix entre les deux déclarations contradictoires, Ève ignora trois principes de base. Premièrement, la raison humaine n'est pas toujours le moyen le plus sûr d'évaluer les questions spirituelles. Deuxièmement, la parole de Dieu peut nous sembler illogique et insensée, mais elle est toujours juste et digne de confiance. Alléluia. Et troisièmement, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais Dieu les a choisies comme test d'obéissance. Mes amis, nous devons réaliser que l'expérience d'Ève dans le Jardin d'Éden n'est pas un cas unique dans le monde. Chaque jour et chaque instant, nous devons choisir entre la parole de Dieu, qui pour beaucoup peut être impopulaire et les appels séduisants de notre culture environnante. Alors une question nous est posée. Nous avons compris aujourd'hui que notre choix aura des conséquences éternelles. Alors en quoi l'enseignement clair de la Bible entre-t-il en conflit avec les voies du monde Je sais que cette question vous interpelle, vous préoccupe même, et vous touche. Alors tandis que vous réfléchissez, je demande à l'esprit du Seigneur. De vous accompagner dans le nom de Jésus. Chers amis, la Bible nous enseigne que le vrai tentateur fut le diable, en hébreu le Satan, c'est-à-dire le calomniateur, l'adversaire, et ici il va se déguiser en serpent. Ève a eu la faiblesse d'entamer la conversation avec le serpent. Elle aurait dû percevoir le côté sionnois des questions qui lui ont été posées, et cela aurait dû la faire fuir. Satan a commencé à séduire l'homme par le doute, puis il a conduit à lui faire refuser ce qui a été établi par Dieu. L'ennemi a promis quantité d'avantages du fait de manger de ce fruit. Le but satanique, mes amis, a consisté à provoquer de l'insatisfaction dans le cœur de l'homme, comme si tout le contexte dans lequel il se trouvait n'était pas aussi bon qu'il le semblait et devrait être. Satan a toujours poussé les hommes dans la recherche d'une amélioration, les persuadant de se prendre pour des dieux. L'ennemi a couru à sa perte en voulant être comme le haut. Il est donc normal qu'il ait procédé de manière identique avec nos premiers parents en les animant du même désir afin qu'ils courent aussi à leur ruine. Satan donna la fausse impression que Dieu cherchait à refuser à Adam et Ève quelque chose qui leur aurait été bénéfique. Ève succomba à une triple tentation, la convoitise de la chair, et elle dit c'était bon à manger, la convoitise des yeux, elle dit agréable à la vue, et l'orgueil de la vie, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. En conclusion donc, chers amis. Notre leçon aujourd'hui parle de déclaration contradictoire. Dans le langage quotidien, l'adjectif contradictoire est synonyme d'illogique ou encore d'inconséquent. Dans le langage procédural, contradictoire qualifie le fait que dans le cours d'un procès, chacune des parties a été mise en mesure de discuter à la fois l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Une déclaration contradictoire, c'est une déclaration qui est à l'opposé, absurde, contraire, différent, discordant, illogique, incompatible à la déclaration de base. Alors, que le Seigneur nous aide à ne pas être en contradiction avec sa parole, mais que nous puissions l'accepter pleinement par la foi dans le nom de Jésus. Soyez bénis, mes amis, et que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur vous et à demain pour la suite de notre réflexion.